Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur mes nouvelles créations de cette semaine-ci, donc la semaine de janvier. Donc on va commencer avec les colliers. Donc j'ai tout d'abord un sautoir, comme ceci, avec le macaron rose et l'intérieur rose pâle et le coulis rose pâle, avec la chaîne comme ceci et l'attache. Voilà, comme ceci. Alors j'ai exactement le même, mais chocolat et café. Comme ceci. Avec le nœud marron et la chaîne, c'est exactement pareil. Hein. Voilà. Alors maintenant on va passer aux boucles d'oreilles à puce. Donc j'en ai fait pas mal. Donc j'ai tout d'abord les mini. Comme ceci. Avec le petit nœud rose assez foncé. Comme ceci. Alors, les smileys. Trop mignon. Voilà. Alors, les petits nœuds. C'est rose. Mais si ça se vend bien, je ferai de toutes les couleurs. Donc, voilà. Alors, les BN. Petit BN. Ici. Oups. Les fraises. Les petites fraises. Voilà. Et alors, ouais, c'est la dernière paire. Les macaron, donc c'est rouge, enfin la couleur c'est rouge cerise et l'intérieur, bon, j'ai fait un mélange donc c'est du rose pâle. Comme ceci. Alors maintenant on va passer. Donc j'ai une bague, donc c'est la bague comme ceci. Donc c'est une bague réglable, c'est toujours bien je trouve. Et oui, j'ai une paire de boucles d'oreilles, comme ceci. Donc ce sont des petits pois. Donc avec des petits pois kawaii, comme ceci. C'est très marrant. Donc ce sont tous les deux les mêmes. Hein. Donc elles sont assez longues, enfin elles doivent faire environ 3 cm. J'ai pas une latte ici, donc je peux pas vous dire exactement. Voilà, comme ceci. Et alors deux porte-clés. Donc j'ai un porte-clés bah, qui est... aussi petit pois. Je la fonds dans les petits pois. Donc c'est aussi avec des visages kawaii. Ils sont exactement les mêmes. Et donc voilà. Donc ça c'est le bas. Comme ceci. Et alors au-dessus on a un petit pois comme ceci. Et un petit pois comme ceci. Avec un petit cœur entre les deux. Et pour terminer, j'ai un porte-clés comme ça. Le sac l'enfant. Voilà, il est très mignon, comme ceci, avec le petit nœud blanc. Donc voilà, c'est terminé pour les créations de cette semaine. Si vous voulez des tutos sur l'une de mes créations, là, vous me le dites en commentaire et bah voilà quoi. Et vous pouvez aussi aller voir sur ma boutique que je mettrai en barre d'infos. Et mon Facebook, donc comme ça je mets toutes les... Enfin, vous me proposez des vidéos et je vous dis ce que je peux faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.